This is Sparta! Oh, que les dieux m'en soient témoins, je le jure! Lesquels de dieux? Quelle différence ça peut faire? Tous les dieux, je le jure, laisse-moi! De toute ma vie, je n'ai jamais entendu un homme parler autant des dieux! Laisse-le partir. Personne sur cette île n'a le droit de prononcer ce mot! Il a dit Cyclope? Il t'a fait de la peine. Je n'aime pas qu'on m'appelle comme ça! Je ne l'ai pas. Pourtant, tu es gros. Enfin, grand et puissant. Et il faut reconnaître que tu n'as qu'un œil. Mon œil. Allez, rends-le-moi. Rends-le-moi et je ne tuerai pas Marcos pour t'avoir dit de le voler! Alors maintenant, rends-le-moi! Tu le veux? Va le chercher. Tu me plais. Allez, viens. Viens me faire un câlin. Il s'est surmenagé. Eh bien, on dirait que c'est toi le champion, maintenant. On est bien peu de choses, quand même. C'est sans précédent. Le loup ne fait pas de prisonnier. Voyez, comme ce chien athénien de Périclès vous craint. Il reste terré dans son Parthénon, entouré de dramaturges et de sophistes. Il n'ose pas vous affronter avec honneur sur le champ de bataille. Il connaît votre force. Il sait que les jours d'Athènes en Mégaris sont comptés. Et il sait que le tour d'Athènes approche. Ainsi, c'est toi qui nous as apporté la victoire. Donne-moi ton nom, héros, que je puisse t'accueillir en vrai guerrier. Kéré, père. Cela faisait longtemps. Impossible. Je t'ai vu tomber. Je ne suis pas tombé. Tu m'as jeté vers ma mort. J'ai accompli ce qui était mon devoir de Spartiate. Et j'ai enfoui ce souvenir. Tu dois en faire autant. Tu étais mon père. Ton devoir était de me protéger. Tu étais téméraire. Tu m'y as contraint. Je ne faisais que protéger ma sœur à ta place. L'oracle avait déclaré que Cassandra devait mourir. Sa parole est sans appel, tu le sais. Il est trop tard. Tu ne peux plus te cacher derrière ton sens du devoir. Assez! Je ne peux pas changer le passé, Alexios. Je vivrai et mourrai en Spartiate. Tu savais qu'on offre une grosse récompense à celui qui tranchera la tête du loup. La réunion est terminée.
Alexios? Comment? Chaque fois que je ferme les yeux, je te revois tomber. Je croyais t'avoir perdu. Cassandra est vivante. Ils la tiennent, n'est-ce pas? J'ai rebâti ma vie à partir de rien. Te rends-tu compte? Et aujourd'hui, tu me dis que tu es vivant. Que vous êtes vivant. C'est toi. Ce n'est pas un mauvais tour joué par les dieux. Je t'ai retrouvé. Ta sœur, nous devons la ramener. Elle est déjà trop loin. Je me suis résigné une fois, mais plus jamais. Qu'est-ce que comment tu... as-tu... Eh oh ! Icaros ! Traître. Salutations, Alexios. Bienvenue dans l'Atlantide. L'Atlantide ? Impossible ! Je croyais que ce n'était qu'un mythe ! De nombreux secrets de ce monde se dissimulent derrière les mythes et les légendes. Et qui es-tu ? Je m'appelle Pythagore. Je suis ton père. Non. Je suis ton père. Pythagore ? Ça n'a aucun sens. Il est mort depuis plusieurs décennies. Oui, près d'un siècle, si ma mémoire est bonne. Et pourtant, je me tiens là, devant toi. Et Icaros ? Mon plus vieux et plus fidèle ami. Je l'ai chargé de veiller sur toi. Et aujourd'hui, te voilà. C'est fini! Donne-moi le bâton! Tu ne mérites pas le savoir infini de nos créateurs! Justement! Personne ne le mérite! Non! Ah.